بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه. شابيتلو الفكر دي تستاب qui n'est pas bon, ou sorti depuis dans un balad. Un balad, nous vous traduire pour la ville, ou soit une place, une localité, une région. وَقَعَ بِهِ الْوَبَى dans lesquelles l'épidémie fin éclatée. فِرَارًا مِنْهُ avec niyat pour sauver les bissards. Ça veut dire, un dimon, il est dans la ville, dans la ville-là, l'épidémie éclatée, le dimon peut commencer malade, infecté partout. Alors qu'il fait aller, il sauve y aller. Il quitte la ville là et allait. Donc ça, pas bon. وَكَرَاهَةِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ Et il n'est pas bon aussi, détestable aussi, pour un djimoun qui est en dehors de la ville là, il est en dehors qui dans la ville là, il y a une épidémie, il rentre dans la ville là. Ça aussi, pas bon. Donc, principe, quand épidémie n'éclate en place, c'est qu'il allait en reste là-dedans. C'est qu'il est en dehors, pas rentré. Reste dehors. Alors, ayat Quran, Allah dit dans surah An-Nisa, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. N'importe quoi que ça j'ai été, l'amour pour Zwanzut. Même si je suis dans un banlatou qui est bien sécurisé, qui est bien haute, qui est renfermé, qui est inaccessible. Alors on a dit qu'on est capable de faire quelque chose, soi-disant, pour se sauver depuis Malakul Maut. Mais quand il arrive ce moment, ce moment précis-là, pas une seconde avant ni une seconde après, sauro pour sortir, quand même quand il était. Alors dans ça, ce que nous pouvons lire aujourd'hui là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons. Les leçons médicales, mais surtout les leçons côté Aqida, côté Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, ce décret. Ça veut dire, l'épidémie, pas l'épidémie, en dans place côté dans l'épidémie, ou soit en dehors, premier, définitivement, prends mon précaution, mais seulement mon besoin qu'on ait, côté ena pour moi, là-bas même, mon côté décret pour moi, là-bas même, mon côté. Mon capable, loin avec l'épidémie là, mais Allah il écrit pour qu'il m'envoie avec l'épidémie là, dans l'épidémie là. Un dimon, il est capable au milieu, dans le centre, au milieu, tout le monde est malade. Mais si pas écrit pour les mots là, il n'est pas pour les mots là. Ça, il m'a là, nous besoin d'un avant. L'autre ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Baqarah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Donc après qu'il nous lit le premier ayat Quran, montrez-nous qu'un dimon n'est pas capable de saper que la mot. Quand même, qui précaution il prend. En même temps, dans le Coran, montrez-nous, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. N'a pas cette même avec cette propre main dans la destruction. Vous pouvez l'aller faire balance. L'aller ramène-nous vers nos responsabilités vis-à-vis nous-mêmes. Attention. Oui, d'accord. Côté n'a pour mot ou pour mot, mais seulement, vous avez besoin de faire prendre toutes précautions possibles pour éviter. Pour éviter qu'il y ait un problème et pour éviter que les autres démons aient un problème. Ça veut dire nous prendre toutes nos précautions médicales et dans les autres respects. En même temps, nous mettre dans nous la tête qui, quand même, qui précaution moi pour prendre Allah pour décider que ça, moi pour moi. C'est pas moi pour malade, moi pour malade. Alors, nos hadiths aujourd'hui, un long hadith, mais qui bien, bien riche, qui, il y en a beaucoup de leçons pour tirer là-dedans. Alors, hadith 1793. وعن ابن عباس رضي الله عنهما rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. Un événement qui est passé dans le khilafa de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, après qu'il finit faire conquête de Baytul Maqdis, Jérusalem. Donc, il a tenu encore un travail pour faire une bataille pour amener. Donc, Anna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, kharaja ila al-Sham. Donc, il prend un régiment, une armée, il finit sortir le final vers al-Sham. Alors, al-Sham, qui était ça? C'est sa région qui nous appelle Middle East, dans laquelle il y a la Palestine, dans ce centre. Après, il y a une région autour, il y a Dimashq, la Syrie, il y a l'Ordon, la Jordanie, il y a les autres parties comme ça. Donc ça appelle ça Sham, c'est dans le nord de Madina. Donc il est sorti pour y aller à Sham, ça veut dire vers Baytul Maqdis. Hatta idha kana bi Sarv, il y a un endroit qui s'appelle Sarv, qui est un petit peu après Tabouk. Comment dire, comment quitte Hijaz, quitte région Madina, dans direction Sham. Quand il arrive là-bas, laqiyahu umara'u al-ajnad. Alors, il y a une place qui s'appelle Ajnad. Ça veut dire, il y a une région qui s'appelle Ajnad.
Sa région là, c'est 5 la ville principale dans Sham. Comme nous connaît avant, donc la tienne à l'État islamique, comment nous trouvons à Stella Loma, ça veut dire où est la Jordanie, Liban, la Syrie, la Palestine, ce côté à Stella, finalement un truc qui appelle Israël, tout ça là. Pas tienne à ça avant. Ça, comment dire, fin déportage, lui, sa nationalisme là, pas tienne avant. Tienne à l'État islamique, donc tienne à une région qui t'y connu comme maintenant, qui nous encore connu à Stella. Alors, à la Jinad, il y en a 5 régions principales là-dedans. Il y en a Philistine, Palestine lui-même. Il y en a Damas, ce qui est Stella, la capitale de la Syrie. Il y en a Al-Urdun, la Jordanie. Il y en a Homs, ça c'est une autre grande ville dans la Syrie encore. Et après, il y en a une place qui s'appelle Qin Nisrin. Ou soit, il y en a mentionné Zis Nisrin. Donc, ça va une région là, je vais une leader, fin vini, c'est Omar radiallahu anhu, dans sa place là. Alors, parmi là-dedans, parmi Manjimoun qui était gouverné dans sa place là, il y a Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, wa ashabuhu. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, un parmi man plus grand sahaba, c'est un parmi man ashara mubashara. Un sa 10 grands sahaba qui, Rasoul sallam, fin donne, comment dire, certificat jannat de bishinan. Il y en a 4 califs, puis il y en a 6 les autres encore. Et qui s'en là, ça? Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu anhu. C'est un parmi les candidats pour un calife. Ça veut dire qu'on peut décider qui s'en là pour un calife après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr ibn Vini, après ça, Omar, après Othman, après Ali, radiallahu anhu. Parmi les candidats, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Imaginez qui a été grand sahabi, il était ça. Et là-dedans, il y a un gouverneur avec ce Benjamin, alors, je t'informe, c'est Omar radiallahu anhu, qui l'épidémie finit éclater dans Sham. Alors, qui l'épidémie ça? C'est At-Ta'un, la peste, comment nous dire? Comment nous connaît, c'est une maladie qui, la plupart du temps, comme Benjamin, il est infecté, finit l'épémor, il est peine à guérir. C'est pas Covid, ça. Hein? Il est bien plus grave qu'il s'est à l'immortel. Et donc, ce centre, l'épicentre, comment nous dire, dans une place qui s'appelle Amwas. À cause de ça, beaucoup d'historiens appellent ça l'épidémie de Amwas. La peste de Amwas, qui est l'endroit dans la Syrie, ça veut dire dans Sham. Et là-dedans, il y en a à peu près 25 000 d'immunes qui finent mort. Pour ça, à l'époque-là, 25 000, c'est beaucoup. Alors, il informe lui qu'il y en a ça. L'épidémie-là finit éclater. قال ابن عباس قال ابن عباس كيف رابط حديث لا رضي الله عنه لجيء فقال لعمر سيدنا عمر رضي الله عنه في جيء ما ادعوا لي المهاجرين الاولين الو ابل بو مو بان مهاجر بان كيف في هجرات الاولين سابي جيء بان جيمون كيف في امبراس الاسلام avant changement قبله بان كيف في نماز دون دي قبله فدعوتهم وفي نابل زوت فاستشارهم Sayyidina Omar radiallahu anhu finit faire mashwara avec Zot. Là, nous trouvons quelle quantité il est important pour faire mashwara. Et là, une grande leçon nous trouver là-dedans. Faire shura amirul mu'minin à la tête, lui-même, comment dire, représente l'autorité suprême là. Mais lui, il fait shura avec Benjamin. Et nous trouvons les choisir, ben, meilleur dimon, les choisir, ben, groupe dimon. Alors, il y a énormément de leçons politiques, tout ça, pour tirer là-dedans. Mais lui, on n'a pas pour gagner l'occasion de rentrer dans tout ça en détail là. Alors, il fait choura avec Zot, ou akhbarahum, anna l'waba, aqat, ou aqa, abisham. Il fait informe Zot qui, l'épidémie finit éclater dans Sham. Fakhtalafu. Alors, il fait prendre Zot l'opinion. Zot fait diverger. Fakhala ba'adouhum, un parti, fin dire, kharajta li amr, te fin sorti, pour le faire un travail, et une expédition pour le faire. Voilà, nara, antarji'a anhu, nous trouver, qui te besoin pas retourner, accomplir ta mission. وقال بعضهم من باتجيا معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ensemble avec toi, il y a beaucoup d'animaux et il y a surtout des sahaba de Rasulullah صلى الله عليه وسلم qui sont restés. alors parlez aux autres. ولا نرى أن تقدمهم ou soit تقدمهم على هذا الوباء. nous trouver qui te vient parlez aux autres à ça l'épidémie là. فقال الو لجيزوت ارتفعوا عني اوكي زوت كاباب ديسميس استير ثم قال لا لا لجي ادعوا لي الانصار استيلا ابل بان انصار ان ابل بان مهاجرين لا يابل بان انصار دونك بان كيتي دون بان ابيتان مدينه فدعوتهم لجي مفنا بيل زوت فاستشارهم لفين في شورا ديك زوت فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم زوت سيباري زوت فين في باري كما بان مهاجرين
فينا لا ديفيرجونس ان بوتين ديال سا لو بوتين ديال سا باغي كما بان لانديا فقال دونك لي فين ديال ارتفعوا عني اوكي لو كاباب ديسميس استي ثم قال لا لا ديال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخه قريش من مهاجره الفتح ديال استلا ابل بان ليدرز بان لا تيت دون بومي بان قريش بان كي فين امبراس الاسلام افون فتح مكه سافي ديال لي بيابل بان ديمون كاين بوكو فازيلات بان ديمون ساج بان ديمون بان بومي بان بريمي كي فين امبراس الاسلام فدعوتهم وفين ابل جوت فلم يختلف عليه منهم رجلان اي بومي جوت با فين انا دي ديمون كي فين انا دي لوبينيون ديفيرون سافي ديال جوت تو فين انانيم جوت تو فين ديال فقالوا نرى ان ترجع بالناس نتروفي كي تو بيزان ريتورني افيك بانجيمون ولا تقدمهم ولا تقدمهم على هذا الوباء نبا الاكسبوز اسا ايبيديمي لا فنادى عمر رضي الله عنه في الناس الو عمر رضي الله عنه في نابل تو بانجيمون لجي اني مصبح على ظهر غراماتان بوني موبي على ظهر وجي موبي مونت لو شيفال كي بيجي سا سا بيجي نو بي نو بي كومونس نو فواياج نو بي ريتورني فاصبحوا علي الو جو سيباري غراماتان ريتورن انسام افيك مو فقال ابو عبيده دونك لا نو تروفي بوكو لي سون انتيري لادا امير المؤمنين لي ميم كيما نيالي لي ليد هان دي با كوما مان لي روي كيناز او دي جو تاسيزي دان جو ساتيو دان جو بيرو افوي دي مون المو لو جو نو او بان ديسيجن بوغوس كي جو برون نو تروفي ايشي امير المؤمنين لي على تيت سو لومي كاينا بو اكسبوزي كاينا بو اكسبوز ا دانجي لي ميم ديفون Donc il prend décision et là nous trouvons qu'il y a une fiachoura, donc il prend décision, précaution pour retourner. Alors, faqala Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ubaida, radiyallahu anhu, il dit, Afiraran min qadarillah, est-ce qu'il te peut sauver depuis Allah sous qadar, depuis Allah sous prédestination? Ça veut dire qu'il côté n'a pour moi ou pour moi. Voilà, tadri nafsum bi ayyi ardin tamoud, comme le Coran dit. Anjimun li pa kone do ki la terre li pou mou. Hein? Li pa kone ma da taksi bou gada demain ki pou arrive. Est-ce ki te pe sauve depi destin? Fa qala Umar radiyallahu anhu, Sayyidina Umar radiyallahu anhu jali, law ghayruka qalaha ya Aba Ubaida. Moi tu préfère ki en lot jimun ti dia sa apport toi, Oba Abu Ubaida. Bon, mi man jimun pli important ki yana la. Astala li même li pa pe d'accord avec Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Donc, C'est normal, j'ai dit, moi, tu préfères l'autre du monde dire ça. Comment dire, les partis contents qui, il y en a divergence entre lui avec Abu Ubaida. Wa kana Omar, yakrahu, khilafahu. Omar, radiyallahu anhu, parti en vie, il y a l'opinion différente avec lui. Naam, nafirru, alors, il répond lui. Il dit, naam, il dit, oui, nafirru min qadarillah. Nous pouvons sauver depuis Allah sous qadar, ila qadarillah, vers Allah sous qadar. Ça veut dire là-bas aussi, Allah sous qadar, ici aussi, Allah sous qadar. Il explique lui, il dit, « Ara'aita, law kana laka ibil, qui te dit, si tu tiens un samou, fahabatta wadiyan lahu udwatan, tu fin al dans une vallée, sa vallée là, il y en a des côtés, ihdahuma khasba wal ukhra jadba. Un côté là, il y a verdure, il y a bon l'herbe, l'autre côté là, il y a بان ان ريجون اريد بين عليه بين عليه بسك اليس ان راعت الخصبه راعتها بقدر الله سي تو سامول يالمونز كوت انا بون لي بلا است كي لي با فينالمونز لو قدر الله است كي الله با فين ديكريت سا وان راعت الجدبه راعتها بقدر الله اي سي لينالمونز دون كوتي لي بسك است كي سا اوسي الله ميم بان فير قدر بان ديكريتي سا Oui, c'est la leçon qu'il donne là. Quand même, qui côté ça s'amène là, il y a le manger, Allah finit décréter ça. Donc, nous parlons à moi, nous parlons dans la chambre, Allah décrété, nous pouvons là-bas, Allah décrété, mais si nous décidons pour retourner, ça aussi Allah est décrété. Donc, nous pouvons sauver depuis Qadarillah pour aller vers Qadarillah. Alors, il dit, Faja'a Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Alors Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu un autre parmi les grands sahabas lui aussi il était dans parmi les 10 mubashara ça 10 grands sahabas là et lui aussi il était parmi les candidats pour succession khilafa et moi j'ai déjà expliqué une fois en détail comment ça finit passer sa élection là il fait un élément il fait faire quelque chose dans sa comité électoral là nous qu'à dire pour
Eli est un calife qui nous connaît. Alors, lui, Abdurrahman ibn Auf, celui qui est le plus riche parmi les Sahaba, les retourne. Il a fait quelques-uns sur un besoin. Alors, il finit retourner, il finit dans sa conversation là. Il dit moi, j'ai une connaissance, je connais quelque chose là. Samitu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ça issue là, je connais quelque chose là. Je finis dans Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit إذا سمعتم به بأرض quand vous êtes entendu que l'épidémie finit éclater dans loin de la terre dans une région فلا تقدموا عليه alors n'a pas rentré dans sa région là وإذا وقع بأرض وأنتم بها et quand il finit arriver dans une région qui jette dans sa région là فلا تخرجوا فرارا منه alors n'a pas sauvé n'a pas quitté sa région là فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه alors عمر رضي الله عنه finit comprend cette décision qui bonne décision, ce hadith-là lui confirme. Alors, il finit faire Allah Souhamd ou Ansaraf et il finit retourner. Donc, nous trouvons ici, il y a énormément de leçons. Alors, deuxième hadith dans sa chapitre, c'est des hadiths, il y a les presque les mêmes affaires. Alors, hadith 1794, Ousama radiallahu anhu, Ousama bin Zayd radiallahu anhu, rapporté à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait dire. إذا سمعتم الطاعون بأرض ذلك موسون الطاعون qui nous traduit littéralement par la peste mais ban ulama janou qui ta'oun li n'importe l'épidémie qui contagieuse donc covid inclus là-dedans ensemble avec ban les autres épidémies alors ça man issue là nous avons beaucoup l'expérience voilà avec ça des 3 ans qui nous passé là nous avons énormément l'expérience nous connaît très bien qui nous peut causer là donc quand l'épidémie finit éclater dans la terre فلا تدخلوها نبارنت dans sa place là. وإذا وقع بأرض وأنتم فيها et quand il déclarait dans une place qui est déjà là-dedans alors فلا تخرجوا منها n'a pas sorti depuis là-dedans. Donc nous apprenons ce qu'on appelle quarantaine qui fait raison derrière nous bien connu c'est que quand l'épidémie d'une place nous parente là-dedans définitivement pour préserver nous-mêmes parce qu'un des objectifs sharia c'est préserver la vie. Un djimoun, il vient faire tout ce qu'il est capable, tout ce qui est dans son moyen pour lui préserver sur la vie. Il vient faire tout ce qu'il est capable pour lui préserver sur la vie. Tout en croyant dans le cadre qui Allah qui peut décider quand mon poumon, qui peut arriver quand mon poumon malade, quand mon poumon bien. Mais moi, mon responsabilité, mon besoin prendre. Un djimoun, il est capable, mort, mais c'est moi qui a le payer pour ça. Pas lui qui décide quand il est mort. Allah décide, mais seulement, il est responsable sur la mort. Par exemple, un djimoun qui est suicidé. Allah qui fait une décrété pour l'immortel. Mais c'est pas lui responsable sur la mort, il ne peut pas le payer pour ça. Mais c'est pas un dimon, malgré qu'il connaît, il croit qu'il y a Allah qui décrété quand il est pour mort, il est bien fait tout ce qu'il est capable pour ça, sur la vie et pour ça, pour la vie, les autres dimons. Donc, quand un dimon peut faire ça, c'est pas lui qui peut protéger, il est tout seul, il peut protéger ben les autres. Nous comptons très bien, hein, qui appelle quarantaine, qui appelle social distancing, mettre sanitizer, tout ce qu'on a fait là, tout ce qui est impliqué, alors tout ça là inclus là-dedans. Quarantaine, mettre lockdown par exemple dans la ville, dans l'endroit, tout ça là, et n'a ce source dans nous dit, alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis montrez-nous. D'ailleurs, c'est Moussalman qui invente ça, les affaires quarantaine là, dans ce point de vue médical, c'est Moussalman qui a commencé tout ça là. Alors donc, nous pas rentrer pour sauver nous la vie, pour sauver la vie des autres du monde, et ce qu'il a dedans, il n'est pas sorti d'y aller. Ça, il y a une affaire malhonnête qui fait. Alors, il calcule pour sauver juste la peau. Alors, il sort, il y allait. Dès qu'il est arrivé, il amène sa épidémie là avec lui. Pas lui tout seul qui pense ça. Beaucoup de monde qui pense ça. Ça, l'épidémie là, pour faire n'importe où. De quelle manière, l'épidémie qui commençait dans Wuhan, les fins passent à travers le monde, les fins allent entier le monde. Du monde fin mort entier le monde. C'est pas du monde qui fin quitter, qui fin aller. Donc, ça, quitter Firaran, hein. Ça veut dire du monde avec Niyad pour sauver. Bon, ben, nous, là-bas, tu fais une exception. Et là, du monde obligé de rentrer, là, du monde obligé de sortir. Pas qu'il y a, il stove, ça, du monde là, il a mangé, besoin de rentrer, il a boire, besoin de rentrer, il a, ben, les affaires médicales, besoin de rentrer, docteur, besoin d'aller venir. Et là, une exception, l'eau contrôle. Donc, tout ça, ben, les affaires qui nous témoignent là, nous disent, ils montrent nous ça. Et là, une exception, ben, aller venir, mais seulement, chaque dimon besoin prend un tracas qui manière mon cas faire pour pas propager cette épidémie là. Même si moi mon besoin moi ici pas faire rien. Moi dans une place où t'es dans l'épidémie, moi connais si moi sorti là, moi aller moi pas le faire ça partout. Pas faire rien mon moi ici, mais pour pas pour faire ça partout. Alors cette histoire là continue ça. On continue après moi nous terminer. Abu Ubaïda radiallahu anhu. Donc finalement lui, il est gouverné dans la chambre.
Il vient reprendre ce poste là-bas. Ban qui finit sorti depuis Madina pour venir, qui ne retourne Madina, ben lui, il va pas retourner Madina. Il prend son régiment, il retourne dans la chambre. Alors, ça a éclaté là-bas, donc il finit retrouve lui dans la chambre au milieu de l'épidémie. Lui, ensemble avec beaucoup de Sahaba, parmi là-dedans, il y a un autre grand Sahabi, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. C'est dans Omar, radiyallahu anhu, avoué lui message, avoué lui, j'allais retourner. Comment dire, essaye qu'on tourne bonne raison, redonne raison pour faire lui retourner. Alors, sa correspondance entre eux là, bien jolie, malheureusement, on ne va pas rentrer dans le détail. Quand l'Ela dernière, quand Abu Ubaïda, radiyallahu anhu, j'allais, je ne suis pas capable de sortir, j'allais comprendre pourquoi sortir, parce que l'épidémie n'éclatait. Là, c'est Omar radiyallahu anhu, donc il commence à pleurer, il finit comprendre qu'il ban là pour shahid là-dedans. Et donc, effectivement, il y a plusieurs ban sahaba. Il y a Abu Ubaïda avec Mu'adh ibn Jabal ensemble encore avec beaucoup ban les autres. Donc, je fais un shahid dans Amwas en mettant en pratique le principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez si Abu Ubaïda, il y a un calife pédiamant venu nous aller. Il prend ça l'épidémie là, il amène ça dans Madina qui arrive. Ça fane partout dans Hijaz. Alors, nous trouvons beaucoup, beaucoup de sagesse là-dedans. Hein? Nous comprenons, ça récit là, il y a énormément de leçons pour nous tirer là-dedans. Donc, nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donne-nous ta fille, comprends, gagne une sagesse, comprends quelque chose dans notre profondeur, et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous sa détermination, sa croyance là, qui nous applique le principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, nous avons sa iman là, qui, même si bien sacrifié, à cause de ce que le Coran dit, à cause d'Allah. Pour tenir un des piliers sharia, alors nous faisons les qui sont contents, comme ça va être sahaba la fin de faire. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous parmi les shuhada, parmi les qui proches avec lui. Qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous ensemble avec ce grand là, c'est Omar radiallahu anhu, Abu Ubaïda, et parmi encore les autres sahaba. Qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous ensemble avec eux. دان جنات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين